Voilà. Et maintenant, maudit petit grec, je m'en vais tous vous pulvériser. Mon cyclope, entraînez-nous des ballons jusqu'à la plage. Il va de la galère. Bien joué, chef. Tu l'as dit. Enfin, la coque. Et toi là-haut, sache que je ne m'appelle pas personne. Mon nom est Ulysse Dithac, fils de la Herte. Ulysse Dithac, fils de la Herte. Que mon père, le puissant Poséidon, grand maître des océans, t'empêche de rentrer chez toi. Et si malgré lui tu parviens, que le malheur s'abatte sur ta maison. Le malheur? Quel malheur! Malheur, malheur, malheur! Trois fois malheur! Tous ces prétendants au mariage qui défilent au palais, et ça palabre, et ça boit, et ça mange comme quatre! Quatre fois 63, ça fait. Beaucoup! Et certains sont même venus avec leurs amis, et Pénélope les accueille à bras ouverts! Il n'y a pas trois semaines, elle était endeuillée au dernier degré, et maintenant, oh, soyez les bienvenus, buvez, mangez, riez, ministres intègres. Il y avait un lustre qu'elle n'avait plus donné de fête, et maintenant, oh, voilà votre coupe, votre lit, votre plat. Le dessert arrive dans un instant, nous nous occupons aussi de la messagerie et de la blanchisserie. Il ne se passait rien ici, j'avais trouvé une planque, et maintenant, quoi qu'il arrive, on entend. S'il vous manque quelque chose, n'hésitez pas, raclez-la. Alors, par-dessus le marché, je rase, je coiffe et je lave tous les matins cette bande de parasites. Après quoi, je les aide à s'habiller, je les abreuve et les nourris. Et quand cette bande de joyeux fêtards ventripotents et présentables, ils n'ont plus qu'à attendre que Pénélope veuille bien les recevoir. Oh, hé, oh, 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 oh. Oh, reine de sagesse, je me présente devant toi. Que veux-tu? Oui, je suis venu te demander ta main. Et que vas-tu m'offrir en échange? Alors, je t'accueillerai dans ma demeure. Tu seras traité comme une reine. Et je mettrai à ta disposition une horde de domestiques. Et en plus, je t'offre un très gros troupeau de bœufs qui est dans ma famille depuis plusieurs générations. Je possède déjà ce que tu me proposes. Qu'as-tu à m'offrir d'autre? Ah, tu aurais voulu un truc que tu... Ah bah oui, je comprends. Moi aussi, je saurais pas quoi faire avec deux troupeaux. Deuxième essai. Reviens quand tu veux. Ta reine t'accueillera toujours avec bienveillance. Alors ça c'est classe. Bon, au revoir. Et à la prochaine. Oui. Voilà. Avance-toi. Oh, reine de beauté. Et rends hommage à la reine d'Ithac. Je dépose mes salutations à tes pieds. Que veux-tu? Eh bien, je me disais que vous et moi, on ferait un très bon couple si vous voyez ce que je veux dire. Tu es l'homme le plus fortuné d'Ithac, n'est-ce pas? Oui, je suis le plus fortuné. Après vous, c'est pourquoi je me disais que vous et moi, on ferait un très beau couple si... Vous voyez ce que je veux dire? Je suis ton raisonnement. Mais tu sembles oublier qu'une femme de ma qualité cherche le bonheur ailleurs que dans les biens matériels. Qu'as-tu à proposer pour charmer mon esprit? La question piège. Eh bien, pour l'esprit, j'avais pensé que la perspective de doubler votre avoir vous charmerait le cœur et l'esprit. Je ne vois rien de réjouissant dans le fait d'en passer des biens. Je suis un tantinet déçu de l'aridité de ton cœur, et il ne brille que là-bas du gain au fond de ton œil, homme vénal. Ne reparais pas devant moi avant d'avoir élevé ton esprit.
Déjà que c'est pas facile d'élever du bétail, si en plus de ça, il faut élever du lait. Et